c'est ce que c'est. Écoutez, peut-être avez-vous triché en cours hier, peut-être êtes-vous salarié et avez-vous triché dans votre adolescence. Ah, au brevet, au bac, au maths, au... Aujourd'hui, les amis, on va retourner à cette époque parce qu'on va devoir tricher sans se faire griller. C'est l'heure de passer un examen. On doit trouver les réponses. On doit partager les réponses parce qu'on est gens bien. Attends, moi je trichais, je donne pas les réponses, hein. Fuck you, hein. Je vous laisse tous, hein. Et il faut pas se faire choper. Attends, prof, ils ont des balles de baseball. Quelle est cette école? Ok, c'est parti. Ok, il faut qu'ils aient des bonnes réponses pour pouvoir lancer des distractions. Du coup, je peux faire quoi en attendant? Ah, lui, hop, il lève sa main. Et là, je cherche du coup. Je copie. Mais je suis devant lui, il va me voir. Non, c'est bon. Oh, bâtard! S'il m'a vu. Pas de banane, il a dit. J'ai triché, t'es juste pris une banane, ok, ça marche. Ah non, on redouble notre année quand même. Putain! Pourquoi je suis tout devant? Mais comment tu veux tricher alors que je suis tout devant? Mais impossible. Non, c'est lui, voilà lui, tiens. Et là, brah, je peux tricher tranquille. Là, là, le prof il sera dans le mauvais sens, c'est bon. Vas-y, je passe la réponse à lui. Il est de dos, il voit pas. Oh, mais pourquoi c'est moi que tu tapes? C'est l'autre qui me parlait! Eh, hey, madame! Eh, hey, frère! Je donne la réponse à lui. Eh, hey, mais je suis baisé là. Faut que j'attende que le prof aille de l'autre côté de la classe. Mais il y aura jamais de l'autre côté de la classe, y'a qu'un seul mec. Il a marqué feuille sur sa copie. Ça peut rien surveiller. Ok, je peux shooter. C'est bon, c'est passé. Ah, mais lui il est plus là, lui c'est celui qui est chargé de chercher les réponses. Du coup, je suis mort. Du coup, j'ai qu'une réponse que je vais donner en boucle. Je chuchote auprès de lui. Vite. Elle arrive. C'est bon, elle a fait demi-tour. Lui il va appeler le prof. Lui il va parler à lui pendant ce temps-là. Non, je me suis fait niquer. Non, c'est bon. 3 sur 5 élèves ont réussi à passer l'examen. C'est pas mal. Mais avant, on s'en bat les couilles des autres, on veut juste le passer nous. Non mais c'est vrai, non mais arrêtez. Arrêtez 2 minutes avec vos pseudo-valeurs là, hein. Chacun sa gueule, c'est ça les examens. Ok, le but c'est qu'ils passent tous. Mais comment tu veux que j'avertisse le gros obèse qui s'est mis au fond de la classe? Il est con, fallait rester pas loin de nous s'il voulait qu'on l'aide. Ok, alors vas-y, toi tu vas la tirer. Je vais chercher plein de réponses mec en attendant. Ok, je la donne à lui. Ok, lui il la donne à lui, fais vite. Ok, toi tu vas rappeler ton que t'auras jamais ton examen. Je suis désolé mon gars, mais toi tu vas la passer à lui. Lui il va attirer la prof et lui il va envoyer le. Ah, je peux pas, il est trop loin. Mais comment je fais si j'envoie un avion de papier? Oh merde. Oh non. Mais non, mais j'ai. Mais attends, la meuf elle a du jeu partout quoi. Pas de banane. Du coup, comment je fais pour. Bah, je peux plus lui envoyer. Y'a plus le mec qui envoie des avions. Comment je fais? Les trois là, ils ont eu la réponse. Je peux pas shooter à lui de loin. Au pire, je lui crie. Je lui crie dès que le prof se retourne, je me tais. Ça marche jamais ça. Ok, retry cette fois, on passe Tom Cruise, mon pote. Ça me sort de Tom Cruise, ça. Boum. Et voilà, ils sont tous amis, même la grosse brute qui s'est mise au fond de la classe. Attends, mais en vrai, voici le schéma de classe qu'un vrai prof aurait fait. Oh mon dieu, putain, mec, y a trop de gens là. Ok, donc eux, c'est les deux petits génies. Lui, il a la réponse, il va la passer. Ok, il la passe à lui. Ok, lui, il a la réponse, il la passe à son voisin. Vite. Ouh, c'était limite. Flip, c'est quoi ça? Oh merde, c'est pour attirer. Mais il est complètement con, t'es disqualifié quand tu fais ça. Patrick, pourquoi tu t'es sacrifié? C'est pas un moyen de distraction, ça, c'est un moyen de déchec scolaire. Ok, cherche vite. Non. Attends, la meuf elle arrive en courant pour mettre des balayettes. Calme-toi là, t'es pas dans le 93. Toute la classe redouble. 3 élèves sur 11. Ok. Lui, je vais le rattirer le temps que lui le dise à lui. Ok. C'est bon. Non, y'a rien. Mais y'a rien, abuse pas, j'ai demandé un stylo. On la connaît bien celle-là. Bon, elle est dégagée. Il a bien dégagé. Allez, passe-le à Nick avec sa crête dégueulasse. Dis-lui dans la foulée de changer les coupes de cheveux, justement. Ok, appelle la prof, toi, fais passer à lui. Et là, ils l'ont tous, on est bon. Sauf le con qui s'est fait griller. 10 sur 11, yeah. Niveau suivant, ils vont être combien? Attends, on va arriver sur des classes de 30 là. Oh. Ok, c'est parti, recherche direct. Ah, oh, y'a deux profs. Attends, mais le mec il a des lunettes de Splinter Cell, calme-toi. Toi, appelle, toi tu vas le dire. Non, c'est bon. J'ai fait. Mais attends, mais c'est complètement cool. Ah, il se sacrifie, ouais, du coup il dégage. Qui fait ça? Qui fait un flip table pour protéger son pote qui est en train de donner les réponses? Personne, mec. Ah, ok, faut que j'envoie un avion. Oh putain, mec, ça va être chaud. Faut que j'envoie dans la rangée là-bas. Faudrait que lui fasse un truc. Putain, mais dégage, le prof. Ok, je le tente. Oh, tel un missile. Combien on dégageait? Je sais même plus ce que j'ai fait. Oh, il a une bonne tête, lui. Ça passe ou pas? 7 sur 13. Oh putain, mais c'est dur là. Il y a deux profs, mec. Faut arrêter les conneries là. Ok, cette fois on se concentre. Ok, lui il est en train de chercher. Bim, il l'a trouvé. Excusez-moi. Bim, vas-y, donne la réponse. C'est pas grave, il l'a eu. C'est pas grave, il dégage. C'est pas grave. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Non. Fais vite. Flip, j'ai pété un câble. C'est bon. Là par contre, j'ai plus droit à l'erreur, mec. Attends, y'a un prof qui est parti, mec. Il est à FK. C'est ma chance. Vite. Combien? Ah, c'est bon là. Avec le prof qui marche contre une table. Yes! Wouh! Putain, on est en train de faire un cartel de tricheurs, mon pote. Oh, mec! Y'a qu'un prof, c'est pas grave. Magnifique ce qu'on va faire. C'est magnifique, regardez, lui là. Lui, on va faire un petit avion pour l'envoyer à ceux du milieu ici. Allez, fais-le vite, ton avion, fais-le vite, mon gars. T'as pas pris option origami pour rien en brevet. Boum! C'est bon. Ah, putain, l'enculé. Enculé de prof.
Qui peut lever la main là? Toi, lève la main. Moi, mec, personne n'est mort, tout le monde a la réponse, vieux. Et lui va dire à lui, c'est fini. Non, il me dit pas que je fais un perfect, je fais un parfait. Mec, si j'ai fait un perfect, je deviens professeur. Moi. C'est pas grave, y'en a un qui dégage, y'en a un qui dégage, tranquille. En plus, comme par hasard, c'est le mec assis au fond tout seul. Y'en a qu'un qui a dégagé. 16. Oh. On a des très bons espions de côté. Toi, tu fais la recherche. Toi, tu lèves la main. Pire début d'espionnage du monde. Lui, il lève la main, lui, il l'est dit à lui. Mais non, il a levé la main, il a levé la main. Non. Putain, il m'a savate. Putain, mec, c'est super dur en fait. Si tu te fais prendre une fois, ça nique la chaîne des réponses. Et en fait, faudrait donner une réponse à un mec qui a un avion. Comme ça, il donne la réponse à une autre rangée et les deux rangées ont les réponses. Bon, c'est plus dur d'avoir le bac que de résoudre cette énigme. N'importe quoi. Le gars il est comme ça. Et d'un coup il se retourne et fait: oh putain, lui je vais le savater, je sais pas pourquoi. Et comme par hasard il savate celui qui trouvait les réponses. Merde. Ça va chier, ça va chier. On va faire de la putain de corde à sauter avec ce câble et on va y arriver. Comme les boxeurs, on s'entraîne. Ok, je vais expliquer la strat, ça va super bien marcher. Regardez, en gros je vais les attirer ici. Lui lève la main et lui on sait pas pourquoi, il se vénère. Eh vas-y, j'ai raté mon année, et il soulève sa table. Là je vais passer les réponses, mais vous voyez, pendant qu'il y en a un qui passe une réponse, avec l'autre je peux plus la passer, c'est fini ça. Sachant que j'ai qu'une minute du coup, je peux pas aller plus vite que ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est impossible d'aller plus vite que ça mec. Non mais regardez les mecs, ils se mettent à deux spots de la classe. Que voulez-vous que je fasse quand c'est comme ça? Voilà, regardez, là j'ai pas pu faire plus vite, j'ai fait des cuts parce que c'était hyper long. Je peux pas faire mieux que ça. Et si on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 20, 22 recalés, parfait. Non mais je peux pas faire au-dessus de 15. 13 j'ai fait. Si, j'ai une technique peut-être. Il faut en sacrifier deux d'entrée de jeu. C'est ma nouvelle technique. Bim, lui pète un câble. Fizépilepsy, lui lève la main. Lui, il lance les recherches en attendant. Il va les donner à ce mec là derrière qui peut faire des avions papier et qui va envoyer les réponses dans une autre colonne. Comme ça, on pourra faire avancer les deux colonnes parallèlement. Lui, il va lever la main. Ah, bizarrement, j'ai besoin d'aide. Lui, il va l'envoyer à lui en plein milieu de la colonne du milieu. Ce sera parfait. Bizarrement, lui, il lève la main. Eh, s'il te plaît. Non, 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 pas ça, pas ça. Merde! Ok, lui va la donner à lui. Vous voyez, je suis toujours tranquille sur une rangée, mais jamais sur deux en même temps. Eh, je peux pas aller plus vite là! Non, mais je suis allé hyper vite, je peux pas aller plus vite que ça! C'est le dernier putain d'essai! Déjà, normalement, t'as droit qu'à un essai dans la vraie vie. Le lendemain, Squeezie se rendit au résultat du bac avec ses copains. Il découvrit alors qu'il était refusé à ce dernier pour cause de triche. Il dut alors annoncer la nouvelle à ses parents et se retrouva avec le cul plus rouge qu'Iron Man. Et rata année après année l'examen, jusqu'à avoir 6 ans de décalage avec les gens de sa classe. Fin. J'en suis à la fin de cette vidéo sur High School. C'était très très bien jusqu'au dernier level. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et franchement, c'est dur, putain. Je pense pas que ce serait aussi dur. Le dernier niveau nous a mis KO à plat sans diplôme. Vous pouvez laisser si vous voulez, c'est gratuit. Le lien dans la description. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Peace.